En matière d'éducation au développement durable, il est d'usage de formaliser, autrement dit, de, de structurer, de concevoir et d'organiser un petit peu ces idées, voire d'émettre des hypothèses de départ. Le modèle Redoc repose un petit peu sur un retour d'expérience d'enseignants, de chercheurs, d'apprenants, sur effectivement le rapport à l'éducation au développement durable. Redoc, juste pour dire que nous partons des représentations, avec donc un grand R, d'être capable de réfléchir sur une démarche pédagogique, qui va bien sûr être un élément phare dans la conception de l'éducation au développement durable, et puis de proposer des outils et des compétences. Ce qui est important dans ce modèle, c'est de bien comprendre que les représentations vont être le nœud, le noyau central. Et ces représentations, on peut les faire émerger de plusieurs manières. Ça peut être un simple questionnaire, ça peut être l'interview qu'on va avoir avec différentes personnes. Ça peut être des pratiques plus sophistiquées, le focus group, qui impose un travail en groupe de taille réduite. Généralement, c'est 8 à 10 personnes et plusieurs tours vont faire émerger des représentations. Voir le numérique peut être très utile. Trop est un logiciel qui permet d'analyser le discours, de travailler sur ce qu'on appelle les noyaux, autrement dit, les concepts forts et les périphériques, ce qui vient argumenter le noyau. Ça n'est pas un adjectif, ça peut être quelque chose qui va préciser les idées qu'on va introduire. Les démarches pédagogiques sont importantes parce qu'il faut les élaborer avec les apprenants. La relation apprenant-formateur change complètement. On est sur de la co-construction. Et donc forcément, dès qu'on parle de démarches pédagogiques, on parle bien sûr d'esprit critique. Il ne s'agit pas de critiquer, mais de co-construire ensemble. De bonnes pratiques qui sont liées à des projets collectifs. Des fois, même le projet va définir l'éducation au développement durable. Ça peut être des réflexions sur la manière de penser le présent. On est très souvent dans le futur ou le passé, et le présent joue un rôle très important dans les projets qu'on peut avoir. Et finalement, ces démarches vont nous orienter vers les meilleurs outils. Quels sont les outils didactiques qu'on va mobiliser pour effectivement aller de l'avant, aller dans ce changement de comportement Alors les comptes sont bien sûr très appropriés pour la petite enfance, pour les enfants, mais même pour les adultes. Et puis, le photo-langage, travailler sur des images, travailler aussi sur des controverses, voire être capable d'identifier des controverses qui vont faire blocage dans les représentations. C'est un élément important. Et finalement, si on garde bien, Redoc renvoie aux compétences. Quel type de compétences je vais faire émerger dans mon éducation au développement durable ces compétences, elles peuvent être individuelles, elles peuvent être collectives, elles peuvent être émotionnelles. L'émotion rentre bien aujourd'hui dans le rapport à l'éducation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Redox signifie pas qu'on commence par les représentations. On peut commencer par les compétences, on peut entrer par les outils, mais impose en fait un va-et-vient régulier. Donc, on est vraiment dans l'interaction. Alors, cette interaction, bien sûr, joue un rôle très important. Mais le nœud quand même de Redox, c'est de bien partir d'une même approche. Et pour avoir une bonne représentation de l'environnement, du développement durable au sens général, il faut être bien d'accord sur le type d'enjeu qu'on va identifier, sur la méthode qu'on va utiliser, sur la démarche. Euh, on évoquait la transdisciplinarité, hein, comment transgresser les disciplines, comment aller au-delà de ces disciplines, qui très souvent euh, nous éprouvent hein, dans la, le changement de comportement, et puis nous amener à réfléchir sur différentes dimensions du développement durable pour aboutir tout doucement aux espaces. L'espace-temps joue un rôle très important, mais également le territoire va définir le rapport au développement durable. Et puis finalement, les grands principes et les valeurs qui vont nous aider à mieux comprendre quel objectif, quelle finalité on cherche effectivement à mettre en avant. Alors juste pour bien comprendre un aspect de Redoc, on a évoqué la démarche pédagogique. C'est vrai que ces démarches sont très intéressantes. Elles ne sont pas forcément basées uniquement sur l'induction et la déduction très souvent deux hypothèses très fortes des modèles, mais elle est basée sur le type de démarche la plus appropriée euh, par rapport à un contexte. Euh, on peut très bien faire référence au milieu de vie, et l'éducation au développement durable, c'est redécouvrir son milieu de vie. Hein, ça peut être euh, par un parcours fléché dans une ville, hein, comprendre l'architecture, comprendre le rapport à l'environnement, euh, comprendre le rapport à la pollution aussi. Donc le cadre de vie peut être un acteur très important. Et puis on peut travailler aussi sur... Euh, le présent, le temps présent, le savoir-être. La pleine conscience est un outil qui permet vraiment de se fixer sur le présent, d'avoir une forme de réflexivité sur soi-même, et pas forcément sur les autres, et pas forcément par rapport au passé, et par rapport au futur. Et puis, la dimension critique est très intéressante dans la co-construction. N'oubliez pas que quand on réfléchit sur les compétences, sur les connaissances, on part toujours d'une construction très naïve. On est curieux. On est curieux et la curiosité va forger une forme d'épistémologie où l'esprit critique va développer une démarche. La démarche, c'est comprendre comment on peut mieux appréhender le monde et si on peut mieux l'appréhender, on est capable de jouer sur les comportements. Enfin, le projet, le projet personnel, a une dimension très importante puisque l'implication du sujet, donc de l'apprenant comme du formateur, va jouer un rôle très important sur les finalités et sur les objectifs. En fait, au final, on comprend que être d'accord sur un discours, sur ce qu'est le développement durable, être d'accord sur l'éducation, sur le corpus représentation, démarche, outils, compétences, et bien sûr un plus, mais on n'aurait pas bouclé le système, le modèle Redox, si on ne parlait pas de réflexivité. Il faut bien comprendre que les représentations ont un noyau central, et très souvent on est ancré dans ces représentations. Le seul processus... Pour pouvoir les transformer, c'est être réflexif, être capable de réfléchir sur soi-même, sur ce qu'on a acquis, de quelle manière, sous quelle forme, ce qu'on a pu comprendre ou mal comprendre, et forcément rompre le circuit habitude. On sait très souvent que dans la journée, on fait 3000 gestes, or on réfléchit très peu sur les 3000 gestes qu'on va faire durant la journée. Certains sont pratiquement des gestes routiniers. La réflexivité impose une réflexion sur tous les gestes, sur toutes les décisions qu'on va prendre, qui forcément vont forger des représentations, euh, qui vont être un nœud central dans le rapport à l'éducation. Au final, être réflexif, c'est vraiment réfléchir sur quel type de représentation faut-il les modifier, comment les modifier, quel type de changement en profondeur, culturel, social, économique, voire des fois environnemental, et en même temps euh, comprendre la démarche qui va inculquer les compétences nécessaires. Souhaitons être plus responsable, plus ouvert, plus solidaire, et au final, on aurait une forme de, de méta-environnement où la réflexivité jouerait le rôle d'aiguillon qui permet la transformation. Ça montre bien une chose, l'éducation est un process, est un process qui dure longtemps. Et pour être dans la partie éducative, il faut être vraiment inculqué par la réflexivité.